C'est un Sébastien Loeb prudent qui s'est exprimé dans les colonnes de West France à la veille de son deuxième Dakar. S'il avait échoué l'an dernier en ne parvenant qu'à la 9e place, le pilote est au cœur de toutes les conversations, mais se montre mesuré quant à ses possibilités de succès. On n'a quand même qu'une année d'expérience, pas 20. Et le Dakar, c'est un rallye qui reste piégeux, où on sait qu'on va avoir plein d'inconnus, a expliqué le pilote à West France. C'est difficile de faire un pronostic, mais l'ambition est là, c'est sûr. Le nonuple champion du monde a tenu à revenir sur son premier essai. L'an dernier, je ne savais pas du tout où j'allais. Là, je sais que logiquement, on est capable d'aller vite. Donc forcément, il y a un peu plus d'enjeux, a-t-il confié. Conscient que la concurrence sera rude, Sébastien Loeb cite Cyril Desprez, Carlos Sainz et Stéphane Peter Hansel, tous ses coéquipiers, et avoue craindre Nasser Al-Attiyah en face chez Toyota.